Si vous marchez dans la nuit, si la vie est obscure autour de vous, si vous percevez votre avenir comme étant incertain, alors écoutez. Écoutez la très ancienne parole, très noble parole d'espérance, et faites-lui confiance. La joie, la vie, la force, le courage vous seront donnés par celui dont la présence monte à présent en nos cœurs. Celui qui est notre Créateur, celui qui nous a appelés à la vie, celui qui nous appelle chaque matin à la vie, celui qui est l'origine et qui œuvre pour l'accomplissement de toutes choses. Oui, notre Dieu nous accueille ici et maintenant pour que notre vie soit paisible, pour que notre cœur soit épanoui. Amen. Et nous allons chanter « Magnifique est le Seigneur », c'est le 174. Et nous le chanterons deux fois. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à faire nôtre ces paroles du psaume 34 qui ont été revisitées par un écrivain contemporain. Ce sera notre louange. Sans cesse, ma vie te remerciera, Seigneur, et ma bouche te chantera. Je suis vraiment fier de mon Dieu. Je veux le dire aux jeunes, aux vieux. Dites avec moi comme il est grand. Agrandissons sa gloire en le chantant. J'étais angoissé, meurtri, perdu. J'ai crié, voici qu'il m'a répondu. Ceux qui le regardent seront transformés, leurs visages ne seront plus fermés. Un pauvre bougre l'a appelé à l'aide, il l'a entendu et trouvé un remède. Le Seigneur envoie son ange gardien protéger et sauver les siens. Goûtez, voyez comme le Seigneur est bon, notre Dieu, lui qui n'est que don. Frémissez-en de bonheur, plus jamais vous n'aurez peur. Pas besoin d'être nanti, puisque sa présence suffit. Écoutez-moi, vous, tous, enfants, voyez comme Dieu est grand. Vous voulez avoir la garantie d'une vie pleine et réussie? Alors gardez-vous de médire, abstenez-vous de mentir. Résistez au mal, pratiquez le bien, et pour la paix, luttez sans fin. Dieu veille sur les fidèles, il espère leur appel. Dieu s'oppose aux malfaisants en les anéantissant. Si vous vous tournez vers lui, il sera toujours votre appui. Dieu connaît chacun de nos chagrins et nous entoure de ses soins. Votre vie ne sera pas plus facile, mais Dieu sera au bout du fil. Si vous n'étiez plus qu'un squelette, il relèverait encore votre tête. Le méchant sombre dans son malheur, Dieu condamne son erreur. Mais pour chacun de ses serviteurs, il est accueil et douceur. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie.
Eh bien, nous chantons le 153. 153. Prions. Seigneur, aujourd'hui, tu m'as demandé d'accomplir ta volonté. Y ai-je prêté attention? Ai-je répondu selon ton amour? Seigneur, pardonne-moi, car j'ai vécu machinalement. Je ne me souviens de rien. Alors, par ton esprit, viens éclairer ma mémoire. Donne-moi la lucidité de me souvenir, pour que mes jours ne s'écoulent pas comme l'eau, ni que mes jours s'échappent comme une fumée. Oui, renouvelle en moi ton esprit, pour que je puisse vivre pleinement. Puisque tu me donnes la vie, donne-moi de vivre et de t'aimer en aimant mon prochain. Fais que mes sentiments ne soient pas aussi fugitifs que des nuages ou des poussières qui sont le jouet des vents. Fais que mon existence ne soit pas consommée de façon éphémère en vain, pour rien. Mais inspire-moi. Éveille-moi. Pour que ma vie s'inscrive jour après jour. Dans l'éternité de ton amour. Amen. Et je vous invite à prendre le numéro 602.
Ô prends mon âme. 602. Et nous allons garder ce cantique, puisque nous chantons maintenant la première strophe en restant assis, et puis ensuite nous chanterons la deuxième et la troisième. Je vous invite à vous lever. Parce que Dieu est lumière, parce que Dieu est amour, il nous ôte tout souci. Il dissout le souci de nous-mêmes pour que nous puissions l'entendre, écouter sa parole de vie. Il dissout le souci des autres pour que nous puissions vraiment les rencontrer tels qu'ils sont aujourd'hui. Il dissout notre souci de lui pour que nous recevions de lui sa grâce qui nous habille encore plus magnifiquement que les lys des champs. Alors désormais, sans souci, grâce à lui, nous pouvons chercher, désirer son règne et vivre dans la nouveauté de ce règne. Désormais, le Seigneur ôte tout souci aux églises pour que ses communautés deviennent d'authentiques servantes, une présence fraternelle pour chacun. Oui, parce que Dieu est lumière, parce qu'il est amour, il nous libère chaque jour des soucis de la veille et du lendemain, de l'avenir et du passé, pour que nous soyons pleinement présents au présent. Alléluia. Pour réentendre le désir de Dieu pour nos vies, je vous propose de réécouter cet extrait de la lettre de Paul aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les humains. Le Seigneur est proche. Alors ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Christ Jésus. Amen.
Oh Seigneur, ta parole est comme du pain. Donne-nous de la savourer et d'accompagner avec elle tous les moments de notre vie, comme le pain accompagne chaque plat de la table. Ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source. Plonge-nous dans son courant. Ta parole est comme le feu. Qu'elle puisse nous éclairer sans nous éblouir. Qu'elle puisse nous réchauffer sans nous brûler. Qu'elle puisse nous embraser sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel. Élargis-nous en elle, pour que nous puissions sentir la hauteur, la profondeur, la densité de tout ce qui est. Oui, élargis-nous en elle, pour que nous puissions percevoir la hauteur, la profondeur, l'immensité de ta grâce. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle, pour que nous éprouvions la solidité, la constance de tout ce que tu donnes, de tout ce que tu exiges et promets. Oui, parle, Seigneur. Parle et libère nos intelligences. Éveille notre disponibilité pour que nous puissions entendre. Et nous renouveler dans ta parole. Amen. Voilà, aujourd'hui, je vous propose d'écouter un extrait de l'Évangile selon Luc, au chapitre 12. Jésus dit ensuite à ses disciples : C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. Car la vie est plus importante que la nourriture, le corps plus important que le vêtement. Considérez les corbeaux. Les corbeaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni cellier ni grange, et Dieu les nourrit. Or, vous valez plus que les oiseaux, combien plus ? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment poussent les lys. Les lys, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Cependant, je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'entre eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous allez manger ou ce que vous allez boire, et ne vous tourmentez pas. Tout cela, en effet, c'est ce que les gens de toutes les nations du monde recherchent sans relâche. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son règne, et cela vous sera donné par surcroît. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière. Éclaire notre intelligence au moment où nous méditons les Écritures. Amen. Thank you.
Alors commençons par mettre les points sur les i. Nous sommes, je crois, tous d'accord pour affirmer que la nourriture, que le vêtement, eh bien, font partie des besoins fondamentaux pour exister. Nous ne pouvons pas mener une vie digne si il ne nous est pas possible de manger à notre faim. Nous ne pouvons pas mener une vie digne si nous n'avons pas la possibilité de nous vêtir décemment. Tant que ces besoins fondamentaux ne sont pas pris en compte, nous n'aurons pas l'esprit libre pour penser à autre chose. Aujourd'hui en France, de nombreuses personnes font la vaisselle à l'eau froide, se chauffent au minimum, et ceci pour faire face à l'augmentation des coûts d'électricité, et économiser ce qui peut l'être pour avoir, jusqu'à la fin du mois, de quoi s'acheter ce qui est nécessaire. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, que les choses soient claires entre nous. En affirmant dans l'Évangile, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus », l'Évangile n'est pas en train de banaliser ces besoins fondamentaux. L'Évangile n'est pas en train de dire qu'il nous faudrait les négliger. L'Évangile n'est pas en train de faire une petite morale à tous ceux qui peinent pour joindre les deux bouts à la fin du mois pour couvrir leurs besoins fondamentaux en leur disant « Mais oh, pourquoi vous faites du souci pour ces choses bassement matérielles ?» Non. Au contraire, au lieu de banaliser ces besoins, au lieu de faire une petite morale insupportable, l'Évangile reconnaît l'importance de ses besoins quand il affirme « Votre Père sait que vous en avez besoin. » Pour que nous puissions mener une vie digne, Dieu sait que nous avons besoin de pouvoir manger décemment. Nous avons besoin de pouvoir nous vêtir correctement. Ces besoins fondamentaux sont à respecter pour qu'une vie digne puisse être menée. Donc, ce n'est pas la pointe, là, de ce que cherche à dire ce message de l'Évangile. Mais alors, si ce n'est pas la pointe, quel est le message de ce passage ? En affirmant « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtu », quel est le message de cet extrait de l'Évangile ? Quel est le message ? Si nous dressons l'oreille en écoutant ce texte, eh bien nous remarquons qu'une idée revient souvent, même si elle s'exprime de manière différente. Cette idée, c'est « ne vous inquiétez pas » ou bien « ne vous tourmentez pas ». « Ne soyez pas ballottés dans tous les sens par les soucis. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie ?» Et derrière chacune de ces expressions de ce passage, il y a, presque derrière chacune, il y a en grec un même mot, c'est « merimno ». En grec, « merimno », ça signifie « le souci ». Voilà l'idée centrale de cet extrait de l'Évangile, le souci. En fait, ce passage met en lumière quelque chose qui nous taraude tous. Il ne faut pas se voiler la face quand même. Qu'est-ce qui nous taraude ? Les soucis. Tous, un jour ou l'autre, nous nous sommes sentis soucieux vis-à-vis de quelqu'un ou bien vis-à-vis d'une situation. Tous, jour après jour, nous nous faisons du souci. Or, ce passage de l'Évangile nous invite à ne pas simplement subir cela. Mais ce passage, en mettant en lumière que nous nous faisons tous du souci, ce passage nous interroge. Il nous dit, au lieu de simplement nous résigner face à nos soucis, n'y aurait-il pas une autre manière de les aborder ? Bien plus que de banaliser nos besoins fondamentaux, voilà la question importante que cet évangile nous pose. Au lieu de simplement nous résigner face à nos soucis et nous laisser être toujours pris par eux, n'y aurait-il pas une autre manière de les aborder ? Le souci qui nous taraude, il exprime quoi ? Eh bien d'abord, le souci dit toute l'attention que nous portons à quelqu'un. Quand nous nous faisons du souci pour un ami, pour un proche, pour notre conjoint, pour notre enfant,
Eh bien, cela signifie que nous ne sommes pas indifférents à ce qu'il vit, que nous ne pouvons pas être indifférents, mais que nous nous sentons concernés, impliqués. Donc le souci, il exprime toute notre affection, toute notre attention pour l'autre. Quand nous nous disons que nous avons du souci pour quelque chose, cela exprime également le soin que nous accordons à cela. Aujourd'hui, avoir le souci de la création, eh bien, cela peut nous conduire à faire des choix dans notre manière de consommer, dans notre manière de réduire notre impact carbone, dans notre manière de trier et de réduire nos déchets. Le souci exprime le soin que nous accordons à quelque chose, à une situation. Cependant, le souci exprime aussi et surtout que, au cœur de l'attention que nous portons à l'autre, au cœur du soin que nous portons à quelque chose, le souci dit aussi qu'au cœur de tout cela, il y a de l'anxiété. Savez-vous la différence entre la peur et l'anxiété? La peur, eh bien, c'est une émotion que je ressens lorsque je me retrouve devant un danger réel, concret. Par exemple, pour qualifier l'émotion que j'aurais pu ressentir si, en venant ici, parce que moi je viens de loin, hein, je viens de perdu dans les vignes là-bas, eh bien si en venant ici, tout d'un coup, sur la route, avait surgi un sanglier devant ma voiture, eh bien là, devant cet événement précis, qui aurait pu déboucher sur un accident, j'aurais pu maintenant vous raconter l'événement en disant « Ah, j'ai eu peur ». L'anxiété, quant à elle, est une sensation que je ressens parfois sans raison ou sans situation apparente de danger. Le matin, comme ce matin, il fait beau. C'est dimanche, c'est le week-end. Demain, enfin tout à l'heure, je suis en vacances. Alors là, sans danger apparent, tout va bien. Je peux me lever et puis je peux avoir l'estomac noué et me sentir crispé et tendu. Nous sommes anxieux lorsque nous nous inquiétons pour quelque chose qui n'est pas précis, que nous avons du mal à exprimer. Par exemple, un étudiant. Un étudiant, alors que ses études se passent bien, eh bien, un étudiant peut se mettre à éprouver de l'anxiété justement parce que les examens qu'il vient de réussir, eh bien, ces examens le rapprochent de la fin de ses études et qu'il va devoir trouver un travail et qu'il va devoir trouver quelque chose qui lui permettrait de continuer. Puis que les études, c'est quand même bien parce que les études, c'est balisé. Hein, année après année, on avance. Mais à la fin des études, que va-t-il faire? Or, parce que la perception qu'il a de son avenir est floue, parce que son avenir est inconnu, le fait qu'il réussisse les examens, eh bien, ça peut lui provoquer un grand stress. Et du coup, il n'arrive pas à se réjouir d'avoir réussi ses examens, parce qu'il se pose 500 000 questions à propos de son avenir et qu'il ne sait pas comment apporter des réponses à toutes ces questions. Tout va bien pour lui, et pourtant, il est anxieux. De même, en tant que parent, nous pouvons aussi éprouver ces mêmes sensations vis-à-vis de nos enfants. Finalement, nous les regardons et nous nous disons « ben, ça va pour eux, ça a l'air d'aller ». Ils évoluent bien, les petits-enfants évoluent bien. Et puis, sans trop que nous puissions dire précisément pourquoi, une certaine anxiété nous tenaille. Nous nous faisons du souci pour eux quand nous pensons à leur avenir, quand nous voyons l'actualité et que nous nous interrogeons sur leur avenir. Donc voilà la pointe de ce passage de l'Évangile. Au lieu de banaliser nos besoins essentiels, eh bien ce passage attire notre attention sur cette anxiété qui nous tenaille dans le quotidien que nous vivons. Et en nous disant, ne vous inquiétez pas, ne vous tourmentez pas, ne soyez pas ballottés dans tous les sens par les soucis, eh bien ce passage de l'Évangile nous invite à ne pas nous résigner face à cette anxiété, à ne pas la laisser simplement nous envahir, nous ronger et pourrir notre quotidien. Mais ce passage nous invite à questionner cette anxiété pour l'apprivoiser, pour l'apaiser. Alors comment apprivoiser notre anxiété?
comment. Quand nous faisons du souci pour quelque chose ou quelqu'un, notre première réaction, c'est de penser que nous viendrons à bout de cette anxiété en étant actifs. Pas rester les bras ballants. C'est en bougeant, c'est en faisant quelque chose. Et c'est pas en procrastinant, en restant dans sa chambre, que peu à peu les choses se clarifieront. Si l'avenir nous rend anxieux, eh bien, c'est en bougeant, c'est en rencontrant d'autres gens, c'est en cherchant, en discutant, que peu à peu, eh bien, les choses se clarifieront. Dans le fond, c'est vrai. C'est vrai. Être actif, c'est une très bonne thérapie contre notre anxiété. L'avenir vous rend anxieux, eh bien, faites de cette anxiété un moteur qui vous rend actif. Mettez-vous en route pour organiser votre avenir. Mettez-vous en route et arrêtez de se questionner, choisissez une voie. Choisissez simplement une voie pour la suite de vos études. Envoyez un courrier pour demander un emploi. Soyez actif. OK ? Cependant, pour calmer notre anxiété, cette thérapie par l'action a aussi ses limites. Car l'anxiété qui nous tenaille peut aussi nous pousser à un débordement d'activité. Nous remplissons notre journée de plein de choses à faire, sans que ce soit des choses essentielles et importantes. Mais ce n'est pas grave, on se dit. L'essentiel, c'est de faire. Ainsi, au lieu que nous prenions le temps d'écouter notre anxiété, au lieu de prendre le temps de réfléchir à ce qu'elle nous dit, pour la canaliser, nous bondissons sur la première chose à faire. Cependant, en nous comportant ainsi, au lieu que nous agissions, eh bien, nous nous agitons. Et ce débordement d'activité, finalement, nous disperse, nous perd. Nous avons fait plein de choses dans la journée, mais finalement, ça nous a mené nulle part. Dans un autre passage de l'Évangile, toujours dans l'Évangile de Luc, il nous est raconté l'attitude de Marthe. Vous la connaissez sûrement bien. Ayant chevillé au corps le souci de bien recevoir Jésus, Marthe s'active dans tous les sens pour que son hospitalité soit réussie. En ce sens, Marthe, il faut reconnaître, elle a le souci de l'autre. Et pour apaiser son souci, elle fait bien les choses, puisqu'elle s'active à mettre les petits plats dans les grands, afin de vraiment honorer son invité du jour. Cependant, ses bonnes intentions et son souci de bien faire la rendent incapable d'apprécier la rencontre avec le Christ. L'invité qu'elle se réjouissait tant d'accueillir, il est là. Et pourtant, elle passe complètement à côté de la rencontre. Voilà donc où peut nous conduire l'activisme qui cherche à apaiser notre souci anxieux. Un débordement d'activité qui nous fait passer à côté de la rencontre, à côté de l'essentiel. Nous nous activons, mais en fait nous passons à côté des vrais enjeux. C'est pourquoi je pense que la thérapie qui consiste à guérir notre anxiété par l'action, eh bien cette thérapie a aussi ses limites. Or, c'est là que le passage de l'Évangile que nous avons entendu tout à l'heure devient très, très intéressant. C'est lorsqu'il nous propose une autre manière d'apaiser l'anxiété qui nous tenaille tous. Nous disions que l'enjeu de ce passage était de nous aider à sortir de cet état intérieur anxieux, de sortir des soucis. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose, cet autre passage de l'Évangile ? Il ne nous demande pas de faire un effort supplémentaire. Il ne nous dit pas qu'il faut être encore plus actif. Non, il nous invite à réaliser que nous ne sommes pas seuls au monde. Alors que le souci nous replie sur nous-mêmes, alors que le souci finalement nous rend solitaires, Jésus, dans ce passage de l'Évangile, nous invite à lever la tête. Il nous invite à nous laisser rejoindre par toute cette vie qui palpite, qui germe autour de nous. Dans ce passage de l'Évangile, Jésus ne dit pas « fais ceci, fais encore cela, sois actif ». Non, il dit « observe, regarde, perçois autour de toi comment la vie se passe.
observe comment poussent les lys des champs. Les lys, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Observez comment poussent les lys. Avez-vous déjà observé les lys? Si jamais, vous pouvez le faire, là, il y en a par hasard. Par hasard, il y a un lys qui est là devant vous et qui est en train de s'ouvrir. Ça fait plusieurs jours que je l'ai à la maison. J'ai essayé de le soigner pour qu'il s'ouvre, mais il ne s'est pas ouvert pour ce matin. Mais il va s'ouvrir plus tard, peut-être. Ce n'est pas un hasard que les maisons royales ont pris comme emblème cette fleur, parce qu'elle a beaucoup d'élégance. En plus, quand elle s'épanouit, il se dégage un certain parfum qui n'est pas désagréable. Dans la Bible, il est plusieurs fois fait mention des lys. Alors souvent, c'est pour souligner la brièveté de l'existence. Le lys, il fleurit et il fane. Comme pour nous dire que nous sommes tous comme des lys des champs qui poussent, qui fleurissent et puis qui passent. Bon, nous rappeler la brièveté de la vie, avouer qu'au lieu de calmer notre anxiété, eh bien ça peut la rendre encore plus intense. Or, voilà que dans ce passage de l'Évangile, c'est une des seules fois où dans la Bible, le lys est pris en exemple pour dire autre chose que la brièveté de l'existence. Jésus dit, regardez, et dans l'Évangile de Luc, je trouve très intéressant, il dit, regardez comment poussent les lys. Observez comment sans stress, sans agitation, sans épuisement, les lys prennent le temps de s'épanouir. Observez combien cet épanouissement ne se fait pas en un jour, mais qu'importe. Le temps est là pour leur permettre de déployer sans agitation leur splendeur. Jour après jour, les lys reçoivent de plus loin que d'eux-mêmes les ressources dont ils ont besoin pour s'épanouir. Et quand l'éclosion arrive, eh bien les lys, ils s'élancent dans cette éclosion. Et avec grâce, avec joie, ils offrent pleinement leur parfum. Ils sont pleinement impliqués dans leur évolution. Mais cette évolution s'opère sans stress, ni effort épuisant, parce qu'ils prennent appui sur des ressources qui viennent de plus loin que d'eux-mêmes pour s'épanouir. Ils prennent appui sur ces ressources pour finalement embellir le monde, pour égayer le monde dans lequel ils sont de leur parfum et de leur élégance. Alors pour apprivoiser notre anxiété, il est bon d'observer comment poussent les lys. Ils ne poussent pas tout seuls dans leur coin. Ils ne comptent pas que sur eux-mêmes pour pousser. Ils ne sont pas seuls au monde. Ils poussent grâce à tout ce qu'il y a autour d'eux. En prenant appui sur toutes ces ressources autour d'eux, les lys déploient une élégance qui n'est pas calculée, qui n'est pas artificielle. C'est une élégance naturelle qui vient du fond d'eux-mêmes. En nous invitant à observer l'élégance des lys, Jésus n'est pas en train de nous dire qu'il nous faudrait devenir autre que ce que nous sommes. Non, il nous dit, observez comment poussent les lys et apprenez à vivre le temps qui vous est donné comme une occasion de puiser de plus loin que vous-même des ressources pour que s'épanouisse votre beauté profonde, votre élégance naturelle. Ce qui calmera notre anxiété, ce n'est pas de courir après des objectifs calculés, des objectifs que nous avons choisis, construits, planifiés et qui sont finalement des objectifs artificiels. Ce n'est pas passer notre temps à faire que les choses correspondent parfaitement aux idées, aux projections que nous nous en faisons. Ce qui calmera notre anxiété, ce n'est pas de passer notre temps à imiter les autres parce que ne sachant pas quoi faire, comment remplir notre vie, et puis que nous voyons que les autres, ben finalement, ils ont l'air heureux, je vais faire la même chose qu'eux comme ça, parce que peut-être que je vais être heureux. En courant ainsi après de telles imitations, de tels objectifs calculés, artificiels, j'essaye de calmer mon anxiété, mais en fait, je sors de moi-même. Or, Jésus, en nous invitant à observer l'élégance et la beauté des lys, nous invite à faire une autre démarche. Il nous dit, ne te perds pas,
Ne te perds pas dans l'imitation. Ne te perds pas dans les projections. Mais pose-toi plutôt. Enracine-toi dans le terreau de ta vie. Entre dans ton histoire de vie qui est unique. Et apprécie le fait que tu n'es pas une copie. Tu n'es pas un clone. Mais apprécie le fait que tu es une personne unique au monde. Ne passe pas ta vie à sortir de toi-même. Entre dans ta vie. Tu es une personne unique au monde. Il y a en toi une beauté unique, cachée. Il y a en toi un visage vulnérable, lumineux, qui demande à se révéler. Il y a en toi un regard unique qui demande à éclore. Alors, la raison d'être du temps qui t'est donné, ce n'est pas de passer ton temps à imiter, à projeter, à calculer. La raison d'être du temps qui t'est donné, c'est de permettre à cette beauté cachée, unique, de s'épanouir et d'embellir par son élégance le monde où elle se trouve, d'égayer ce monde par son parfum. Sur les anciennes cartes topographiques, dans un coin de ces cartes, savez-vous ce qu'il y avait ? Il y avait une fleur de lys. La fleur de lys était posée là, sur les anciennes cartes topographiques, pour indiquer le nord. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Baden-Powell, quand il a fondé le scoutisme, a pris la fleur de lys comme emblème. Parce que, sur les cartes topographiques, elle indiquait le nord. Le lys est une fleur qui nous aide à nous orienter. Eh bien, quand nous sommes tenaillés par nos soucis, quand nous ne savons plus où donner de la tête, retrouvons notre orientation en regardant, en observant comment poussent les lys. Si à votre réveil, sans que vous sachiez exactement pourquoi, vous éprouvez de l'anxiété, eh bien, prenez le temps d'observer comment s'épanouit un lys. Apprenez de lui à compter sur des ressources qui viennent de plus loin que vous-même. Et ainsi, le temps qui vous est donné vous permettra de révéler votre beauté unique, cachée. Je crois que nous ne vaincrons pas les soucis en nous investissant à fond dans l'action. Nous ne vaincrons pas les soucis en copiant les autres. Nous n'apaiserons pas notre anxiété qui nous tenaille en étant obnubilés par elle et puis en essayant de manière volontariste, à la force de notre poignet, de nous convaincre. Non, je ne suis pas anxieux. Non, je ne suis pas anxieux. Le seul moyen de dissoudre notre souci, c'est de contempler de la beauté. C'est de nous ouvrir à ce qu'il y a de beau autour de nous. C'est d'observer comment pousse cette beauté, cette élégance, et se faisant de comprendre que de plus loin que nous-mêmes, de Dieu, nous recevons toutes les ressources pour que cette beauté puisse éclore et s'épanouir en nous. Et cela pour notre plus grand bonheur, puis aussi également pour le bonheur de notre prochain, et puis aussi pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.
Et nous allons chanter, nous prenons le 181, Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et nous chanterons les deux strophes. Pour cela, je vous invite à vous lever. Prenez place. Voilà, c'est le moment des annonces. Alors, Loulou, tu veux nous faire des annonces ? Non, pas tout à l'heure. La conviction vient de se fonder sur la raison. Elle est née de la raison. La rationalité ne change pas. Les convictions changent tout le temps. Je vais conclure que les convictions, ce soit nos traditions, notre religion, pour une ouverture sur les autres et tout le secteur essayer de faire plus pour plus d'humanité, pour que ça soit plus. Ça, c'est un problème de soufisme compris, c'est le commentaire humain pour un problème de soufisme. Très bien, merci pour cette réflexion. Annie. D'abord, merci à. Merci à Luc Olivier pour sa présence et son message délivré ce matin. Merci à Pierre qui nous a accompagnés avec toujours quelques petites notes jazzy de temps en temps, pour le plaisir de tous, je pense. Vous avez eu les feuilles d'annonce, elles sont faites pour les deux semaines. Vous savez que ce sont les vacances scolaires, donc les activités se ralentissent pendant cette période. Simplement, je voulais vous dire que hier soir, nous avons eu un concert avec la chorale Wednesday Gospel à 19h hier soir. Ça a été un très joli concert. Malheureusement, il y avait très peu de monde. C'est un peu dommage parce que c'était une belle animation et toujours bien d'avoir ce genre de manifestation dans notre église. Et puis, je voulais vous signaler qu'à la sortie, vous trouverez un document sur le week-end famille qui aura lieu le 20, 21 et 22 mai dans le Gard. C'est un week-end animé par le pasteur Bossé, qui vous en parlera mieux que moi. Simplement, je voulais vous dire qu'il y avait ces documents, que vous pouvez les prendre, ou pour vous, ou pour vos enfants, enfin, pour les gens qui sont peut-être susceptibles d'être intéressés par ce week-end. Donc peut-être que Luc, Olivier, tu peux dire quelques mots là-dessus. C'est très gentil de dire que j'organise ce week-end, mais en fait, c'est pas vrai. Oui, non, c'est écrit, mais ce qui me réjouit beaucoup, c'est qu'il y a une équipe de. Alors, on dit quadra, mais quand on n'est pas encore quadra, on dit trenta. Bref, il y a une équipe d'adultes, de parents de notre église qui a participé, qui porte ce projet. Et puis moi, je me suis glissé là-dedans. Voilà, donc on ira dans un lieu
qui s'appelle Bagarre. On ira à Bagarre dans le Gard. Voilà. Et donc, on vivra un week-end le 20, 21, 22 mai autour de la question du sens de la vie et notamment comment transmettre à nos enfants ce goût du sens de la vie. Et on va prendre un film, Le Seigneur des Anneaux, on partira de ce film et puis on aura différentes animations avec des jeux de rôle et tout ça. Voilà, donc quand c'est marqué week-end famille, vous avez vu qu'il y a un S à famille. Parce qu'il n'y a pas un modèle exact, précis de famille. Ça peut être, il y a des personnes qui peuvent venir en tant que grands-parents avec leurs petits-enfants. Il y a des grands-parents qui viennent sans petits-enfants, mais qui du coup participent au jeu de rôle et donc qui prennent soin des petits-enfants des autres. Enfin voilà, il y a plein de configurations possibles. Donc n'imaginez pas que famille, c'est un papa, une maman, deux enfants, puis un garçon, une fille dans les deux enfants. Hein. Soyons bien précis. Et qu'on en reste là. C'est destiné, il y a de la place et donc c'est destiné à être ouvert à tous. Et puis un moment de rencontre, un moment de partage, c'est toujours intéressant de voir aussi les liens qui se tissent entre les secteurs de notre église. Des secteurs qui des fois sont cloisonnés, sont des petites chapelles à part. Et bien voilà, là, il y a des occasions pour décloisonner et respirer l'air du grand large en espérant que tout ne finisse pas à... Non, tout ne finisse pas dans une bagarre. Voilà. Bon, je l'ai dit. De vous dire aussi que dans les deux prochaines semaines, pas cette semaine qui vient, la semaine d'après, il y a un camp de ski qui est organisé. Et il y a une quinzaine de jeunes de notre église qui y participent. Et ce qui est aussi très réjouissant, c'est de voir que l'animation du camp de ski est faite par... sept jeunes qui se sont formés. Le directeur du camp est Aurélien Barga, qui s'est aussi formé. Et bon, j'y participe aussi, mais là aussi, je suis juste l'aumônier. Et voilà, je vois ces jeunes. Et il y a Yann aussi qui en fait partie dans l'animation. Et donc, de voir tous ces jeunes qui ont participé à des camps et aujourd'hui qui se sont formés pour eux-mêmes animer des camps. Et je vous promets qu'ils passent du temps à préparer des vidéos là, qu'on envoie chaque jour à tous les jeunes pour leur demander de se s'échauffer pour le ski. De voir l'investissement qu'ils donnent, et c'est très réjouissant. Voilà, donc la semaine d'après, camp de ski. Donc, si vous pouvez aussi nous porter dans la prière... pour que ces rencontres soient aussi des rencontres authentiques, profondes, qui nous marquent dans la vie. On a besoin aussi de se sentir soutenu et accompagné dans cette démarche. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Vous dormez ? Ouais, c'est ça ? Très bien. Bon. Maintenant, vous pouvez agir. Hein. Après les annonces, il y a toujours un moment très important. Parce qu'on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche quand même. Hein. Voilà, c'est le moment de l'offrande.
Prions. Seigneur, à nouveau ce matin, le soleil s'est levé sur notre vie. Et une nouvelle journée a commencé pour toute l'humanité. Nous voulons, dans notre prière, te confier les personnes fragiles. Et te confier aussi les personnes qui se sentent toujours fortes. Nous voulons te confier les personnes qui combattent la guerre par la guerre, sans réaliser que rien ne se résout par la guerre. Nous pensons aujourd'hui à tout ce qui se passe à la frontière ukrainienne. Et nous te prions aussi pour celles et ceux qui cherchent à vivre et à construire la paix là où elles sont, avec les moyens qu'elles ont. Nous te confions les personnes qui souffrent. Nous te confions aussi les personnes qui ont provoqué de la souffrance. Pour chacune d'elles, tu existes, Seigneur. Révèle-toi à chacune d'elles. Et puis, dans les relations que nous tissons les uns avec les autres, les relations avec nos proches ou avec ceux qui deviennent nos prochains, inspire-nous. Et donne-nous de vivre là en répondant à ton appel qui est grâce et qui est lumière. Nous rassemblons toutes nos intentions de prière dans celles que Jésus partageait avec ses disciples. Nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Et comme parole d'exhortation et d'envoi, je vous invite à recevoir ces propos tirés de la deuxième lettre aux Corinthiens. Au reste, mes frères, mes sœurs, soyez dans la joie, tendez à l'épanouissement. Encouragez-vous, soyez bien d'accord, vivez en paix, et le Dieu de l'amour et de la paix sera avec vous. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion de l'Esprit soit toujours avec chacun de vous. Amen. Et nous terminons par le 748, les deux strophes. Thank you.
Bon dimanche. Merci. Merci. Ça va.